Hello YouTube! On continue Resident Evil 4. Nouvel épisode, nouveau chapitre. Oh, le mode mercenaire. Pas mal, pas mal, on fera ça peut-être plus tard. Continuez. Chapitre 5. Léon parvient enfin à retrouver Ashley et à la libérer. Mais la zone est aussitôt encerclée par une horde de villageois. Il doit protéger la jeune fille à tout prix et quitter ce village. Eh ben on va croiser les doigts et tirer des balles pour passer. Let's go. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi, et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. Fichons le camp d'ici. Ok. On peut rien faire avec le téléphone. Ah. C'est tout ce qu'elle trouve à dire. Bon. On va grimper. D'accord. Mais si, il doit bien y avoir une ici quelque part. Hop, on va fouiller un peu partout. Ouh. Des mines. Je vais rien faire au rail, mais il a rien demandé. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Là-dedans, il y a quoi? Accessoire lunette Wellington. D'accord. Et un jeton d'or. On a failli louper celui-là. C'est tout? Ça va être tout. Ouah, j'ai 63 balles. Ça régale. Hop. C'est mort. T'inquiète, je te rattrape. Ça va aller, Ashley. Merci. Grenade aveuglante, let's go, c'est tout. Ça va être tout. On descend. Oh. Hier soir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon. Compris. Fais vite. Le temps se dégrade. Terminé. Ils ont bloqué le passage, les cons. J'allais par où, moi? Attends, je suis où? Je suis là, il faut que j'aille là-haut, ok. Comme je le disais, ça va être dangereux. Reste près de moi. D'accord. Par où je me barre? Ouais, c'est la seule issue, hein. Je peux passer en dessous, tu penses? Ah bah, faut juste que je la redresse. Voilà. Ordre à Ashley, appuyez sur contrôle pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Gardez Léon et Ashley proches l'un de l'autre peut s'avérer efficace pour courir au milieu des ennemis. Ordre à Ashley, appuyez sur contrôle pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Rester à l'écart peut permettre à Ashley d'éviter certaines attaques ennemies. Éloigne-toi.
Ok. Aprice. A plus, Aprice. Ils sont fada dans l'église un peu. Hein. Oh lolo. Ils vont venir à la queue ou ça se passe comment? En tout cas, heureusement qu'ils prêtent pas attention à Ashley. Est-ce que je peux passer discrètement? Ça va être compliqué. Mais pas impossible. Oh oh. Oh putain! Mais c'est quoi leur problème? Oh! Shut the fuck up! Oh oh! Encore cette sacrée. Viens, je l'ai vite! Oh merde! Là, je t'en bats ton dynamite, enculé! Voilà, bon. Même si bien, ouais, ça va. Bon, il se trouve que... Oh merde, il y a un truc que j'ai loupé là-bas. Pas trop près. Ok. Oh merde, je peux pas passer. Alors, je vais passer en deux spi. C'est par là. C'est bon, je l'ai. Eh, enculé. Lâche Ashley. Quand Ashley est capturé, les ennemis tenteront d'attraper Ashley si... et de l'emmener avec eux. Sinon, il est trop loin d'elle. Lorsque cela se produit, ils s'échapperont et ce sera le game over. Oula. Oh mais... Ils vont... Lâche-la. Oh. Oh là. Ok, ok, on va régler ça. À la manière forte. Ouais bah écoute. Ouais. Nom de Dieu. Merde. Ah. C'est un peu déraillé. Désolé, j'ai glissé. Oh le bâtard. Voilà. Dégage. Mon Dieu. Encore une fois, j'ai fait de la merde, hein. Bon, on change pas une équipe qui gagne.
Mais au moins je me suis fait un peu de moula. Non, je fais le poisson. Le poisson. Et pour le moment ça va le faire. Mon dieu, j'ai fait n'importe quoi. Non, je me suis dit ça peut passer en vrai. Il a fallu que l'autre il vienne de ce côté là, genre. Je suis dégoûté. Viens Ashley. Hop. Ok, ok. Rien de spécial à récupérer, y'a rien qui était rajouté ici, non c'est bon. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Quelque chose qui pourrait bien me plaire. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ouais bon ça je peux pas faire grand chose. Ça je vais l'acheter. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock. Oui je sais, je sais. Je sais bien. Mon tragousset, je vais pas pouvoir en faire grand chose. J'achète tout et n'importe quoi. J'aurais bien une lampe avec trois, trois machins. Merci. Alors les combines et les combinaisons, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Ah, on peut retirer les pierres, je savais pas. Attends, est-ce que genre si je fais sortir que je mets une comme ça, hop, voilà, retirer. Oh, mais c'est trop bien, je savais pas ça. Yono savait ça. Sortir. Et je mets les deux comme ça. Genre, j'en mets une là. Et j'en remets une là. Ah, bah c'est là. Shift bonus de combinaison. Deux pierres de la même couleur fois 1,2. Si je mets une pierre de chaque, c'est 1,3. Oh, oups. Bah là, avec ça, je peux faire fois 1,4. Grand maximum. Après il y a plusieurs, il y a d'autres couleurs que j'ai pas eu encore. Apparemment. J'ai pas eu le violet. Et j'ai pas eu le vert. Hein, comme ça. Ah mais c'est peut-être 5 couleurs différentes, genre bah. Comme ça quoi. Genre je mets ça, 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 et puis bah et puis basta. Le jaune, du coup, je peux avoir que. Enfin, je peux pas avoir de. Ouais, ça fait quoi? Ça me fait 16 000 pesetas. Admettons, je fais ça, hop, sortir, je mets ça, voilà, je mets celui-là, ici, et je mets celui-là, ici. Ça fait 26 000. Je suis pas certain que ce soit si worse que ça. Hein. On va les retirer. Je vais retirer les pierres aussi, là. Quand tu veux, sur bienvenue. On va vendre rien du tout, du coup, c'est bon. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Et on va acheter de la formule des mines adhésives. Le savoir est une arme, ne l'oublie jamais. Parce que comme ça, je pourrais faire des carreaux explosifs n'importe quand. Il sera très probablement utile. Ensuite, coffre, on va déposer du coup ça. Parce que je préfère pouvoir les économiser. Pour le moment. Ok, on est bon. La mallette, j'ai pas d'autres bonus. Non, celui-là c'est mieux. Ok, bon, on va sauvegarder. Malgré tout le bordel que j'ai foutu. Et oh, encore une requête. J'ai besoin que quelqu'un nous débarrasse de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Il est très facile à repérer, il ne ressemble pas à un chien normal. Éliminer la menace. Manoir du chef du village. Spinel x8. Oh, ça va être un mini-boss. On peut faire une pause. Désolé, ça devra attendre. Désolé, ça devra attendre. Et il est où le trésor? Ah bah attends, je l'entends. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, du bleu velours, ok. Je suis désolé HG, je la pousse comme si elle n'existait pas. Oh la sauvegarde. Je sauvegarde. Et je crois que j'entends des gens dehors. Est-ce que je... Ouais, là je reviens directement au village. Ah, je suis dégoûté, ça c'est bloqué du coup, je peux plus y accéder. Anigan avait raison pour le temps.
Hop. Est-ce que tu penses que je peux en sniper quelques-uns d'ici? Non, je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Et mon dieu, cette pluie! Moi, de toute façon, je vais pas avoir le choix. Que cogno! Hop! Voilà, un de fait. Oh mon dieu. Bon, faut voir le bon côté, à part cette fenêtre, ils peuvent pas passer. Bah oui, il est stoy. Oh. On ne passe pas. Oh là là, qui est... Eh. Elle va pas mourir, elle. Voilà, la chatorche. Vite, recharge. Oh. Il commence à être vénère et surtout, il y en a beaucoup. Je vais jeter une petite flash. Attention les yeux. Oh non de Joe. Oh, elle est pas morte. Va-t'en. Quand Ashley est immobilisée. Si elle est attaquée, Ashley se retrouvera temporairement dans la capacité de bouger. Elle mourra si elle est de nouveau attaquée alors qu'elle se trouve dans cet état. Va-t'en, t'approches pas d'Ashley. Contrôle. Tout va bien? Ouais. Je suis désolé ma grande. J'ai plus de balles de pistolet. Ça devient tendu, tendu. Allez. Voilà. Je refais encore un peu. Voilà. On recharge. Tiens. La belle Molotov. C'est chaud, ça brûle, hein. Je pense que ça doit être globalement bon. Non, mais j'ai dû en tuer la majeure partie déjà. Non, ta mère. Ok, des balles. Cool. Alors... À part la maison... Bah non, il y a juste cette maison là, du coup j'ai quelque chose à faire. Oups. Du coup on va s'y rendre dans l'immédiat. Bien. Ashley. Ok. Hop, let's go. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Ok, merci. Alors, on a une caisse là avec de la thune. On a une grosse boîte ici avec un bracelet élégant. Ok, ça commence à régaler. Et je crois qu'il me reste un item, non? Ouais, ça doit être un item en hauteur, à tous les coups. Évidemment.
Un jeton d'argent. Oh. Ok, on charge. Et normalement j'ai plus rien à faire ici. Place du village. Attends, elle est où la maison du manoir du chef du village? Attends, c'est où ça? Usine désaffectée, vallée. Ah, parce que si je vais là, genre il se passe quoi? En vrai je vais d'abord faire un tour là-bas parce que c'est le seul endroit qui me reste vraiment à visiter. Globalement je sors de la maison et je vais tout droit. Là. Oh, j'ai entendu un gros bruit. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Est-ce que je peux ouvrir? Oui, je peux. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, c'est plutôt posé comme endroit pour le moment. Il n'y a rien ici apparemment. Je vais regarder quand même rapidement. Oui, oui, bientôt Ashley, bientôt. Alors, est-ce que c'est déjà le manoir du chef du village? Ok, donc c'est là qu'il va y avoir le... Attention, chien méchant. Oh, en blague. Ok, alors. Éloigne-toi. Ce que je vais faire, c'est que... Merde, comment je peux... J'ai pas le truc pour crafter les... Fabriquer... Carreaux... Je peux pas fabriquer les carreaux explosifs. Des explosifs pouvant être attachés à des carreaux avec G au moment de viser avec le lance carreau. Se déclenche lorsqu'un ennemi est à proximité. D'accord. Non. Okay. Alors attention, chien méchant. Je suis pas sûr d'avoir envie de l'affronter maintenant. Attends, il est à l'intérieur de la maison? Mais on y est déjà passé, non? Dans cette maison, bah oui. Alors. Ah, mais j'ai plus le lance-carreau! Attends, je sais qu'il y a un truc de sauvegarde là-dedans. Ok. Je peux récupérer le lance-carreau, c'est ce qu'on va faire. Off. Lance-carreau. Comme ça, je vais pouvoir déglinguer le chien méchant avec. Alors la question c'est, il est dans les alentours. Alors il est en bas. Je vais équiper le lance-carreau à un raccourci, on va le mettre sur ça. C'est très bien. C'est pour le moins pas rassurant du tout, hein. Il y a des trésors que j'ai pas... Là-haut, oui. Là. Un rubis. Hop. Ah, il est peut-être derrière le chien. Ah, il est où? What the fuck? Ah, mais il est passé! Ok! Il reste... Ok. Bah écoute. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça c'est un livre, on s'en fout. Et du coup j'ai compris ce qui s'est passé. En fait, il était sur cette... Il était là. Enfin, l'icône était là, mais lui, il était genre... sûrement sur le chemin, genre il était à ce niveau-là. Bon, ou une connerie comme ça, je sais pas. Et le moment où je l'entendais, il a fait ce chemin-là et puis il s'est barré. Bon, bah en attendant. Bien. Okay. Oh.
Mais il y a un truc que j'ai pas de... Merci. Il y a un truc à voir. Ah non, ok, c'était pour débloquer l'échelle, le point d'exclamation. Bah très bonne question, hein. C'est la maison du maire, donc il est pas très rassurant lui, qu'est-ce qu'il fout là? Oh, il... Ça me fait peur, eh. Pourquoi vous comme ça? Voilà. Voilà. Chronique du village, volume 2. Tous les hommes ont laissé éclater leur joie en voyant le bateau traverser le lac à toute allure. Ce liquide extraordinaire va grandement faciliter le travail des pêcheurs. La forge construite l'an dernier s'est elle aussi fondue dans le paysage. Nos faucilles et nos couteaux brillent comme jamais. Les deux poissons d'eau douce que nous avons reçus récemment mangent de tout et se sont vite reproduits. L'élevage de poissons dans le marais se passe également à merveille. Pendant la journée, j'enseigne l'écriture et le calcul aux enfants. Et chaque soir, je dîne avec une famille pour entendre leurs problèmes et les derniers ragots, le tout sous le toit de cette maison que nous avons construite. Depuis que j'ai ouvert le village sur l'extérieur, nous prospérons et les gens sont plus heureux. Des sourires ont même commencé à apparaître sur leurs visages. Un étrange groupe de personnes en robe noire est venu du château et a hissé un drapeau inquiétant avec un symbole ressemblant à une araignée. Après avoir prêché pardon, le salut et le pardon, ils nous ont injecté quelque chose qui, d'après eux, nous guérira de la folie. Peut-on leur faire confiance? Bah, faut croire que non, parce qu'ils ont. Ils les ont zombifiés, quoi. Enfin, zombifiés. Ils les ont. Bien mal foutu. Non! Oh, merde. Je me gratte le nez, je peux rien faire sans. Espace. Portrait d'un père. Excusez-moi. Veille sur ce village à ma place. Et que des sourires éclairent chacune de tes photos. Ok. Bon. On casse ça. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Je l'entends, hein. Mais je ne le vois pas. Ah, là. Alors, on va y aller au pistolet, pas au cas, pas à l'arbalète explosive. Explosive. Une autre photo. Espace. Photo de l'usine. La forge tant attendue. 1992. Ok. Une grenade. Ça régale. J'entends le son d'un chien. Chronique du village, volume 1. L'ancien m'a confié le village aujourd'hui. Il m'a dit que je pourrais apprendre mes tâches au fur et à mesure. Je vais commencer par tenir les chroniques du village. Je ne suis pas encore à l'aise avec l'écriture, mais l'ancien m'encourage à continuer. Je vais faire de mon mieux. Il y a un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la cabane au bord du lac. Sa mère a, semble-t-il, rejoint les cieux juste après lui avoir donné naissance. Contrairement à son taciturne de grand-père, c'est un garçon plutôt bavard et plein d'entrain. Aujourd'hui encore, il m'a raconté l'histoire d'un chevalier juché sur un âne. Le grand-père du petit garçon est tombé malade et son état s'aggrave de jour en jour. Son petit-fils est très inquiet, d'autant qu'il se murmure parmi les villageois que le vieil homme serait atteint d'une forme de folie. Alors que je ne prenais congé, le vieil homme m'a pris à part et m'a dit « Si quelque chose arrive, tu sais quoi faire ». Je n'ai pu que hocher la tête en réponse. C'était une horrible nuit. Tout le monde se tenait autour de la cabane et le regardait partir en fumée. Le garçon observait la scène sans dire un mot, sans bouger d'un pouce, même une fois l'aube venue. Le jour suivant, il n'était plus là. Il se passe des bails chelous chez eux, là. Appareil photo ancien. Il se passe. Photo d'un garçon avec son grand-père. La famille Navarro, 1981. Ok, bon bah du coup le fameux garçon, ça a l'air d'être le maire du village, non? Enfin, le maire. D'avoir été le maire en tout cas. Le chien devrait se rapprocher. J'entends des chaînes. Donc on va tracer pour essayer de le récupérer au passage. Le récupérer au passage. De le trouver.
Solo. Il est où cet enfoiré de chien? Il est revenu ici? Il est revenu ici. Je suis tombé nez à nez avec lui à tous les coups. Je veux rien savoir. Il est mort? Non, dans le doute. C'était pas prévu ça. Oh merde. C'est l'occasion. Il est où? Ashley. Mon Dieu. Elle s'est tapée avec la vache. Ça va? Faut pas qu'il tape Ashley. Faut pas qu'il tape Ashley. Faut pas qu'il tape Ashley. Oh ça va, j'ai touché. Attache la mine. Eh, résistant le bestiau, hein. Oh mais merde. Voilà. Merci. Mon Dieu. Elle s'est fait dendre par une vache, quoi. Alexandrite, carreau. Ah bah oui, du coup, je récupère les carreaux non explosifs, ça c'est cool. Bon. Sacrée galère. Sacrée galère, sacrée galère. Alors, j'ai du violet. Ah, j'ai 5 couleurs, hein, donc en vrai, si j'ai un truc à 5 emplacements, quand je l'aurai, parce que là je l'ai pas. Mais du coup, ouais, 5 couleurs, ça vaudra carrément le coup. Ouais, mais faut que je trouve le bon item par contre, hein. Ça va être une galère. Et du coup, là, bah, est-ce que j'ai accès? Non, c'est bloqué ici. Je peux pas y réaccéder. C'est complètement bloqué, du coup il va falloir que j'aille à la ferme. Il y a une machine à écrire. Ah oui, mais il n'y a pas le marchand, il n'y a pas le marchand. Alors que là... Bon, j'ai pas besoin du marchand maintenant, ceci dit, en fait. Bon, du coup, let's go. C'est par là-bas, non? C'est ça? Absolument pas. C'est là-bas. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ah, c'est ça. Il va falloir que je grimpe là. Oh. Qu'est-ce qu'il fout dans la baraque? Alors, 7, on va recharger. 5 pour la mitraillette, on va recharger aussi.
J'ai rien d'intéressant pour me soigner. Je devrais pas en avoir besoin. Transforme pas, ok c'est bon. Merci beaucoup. Du coup j'ai plus de trésor normalement ici, j'ai dû tout récupérer, c'est bon. Cela je peux pas y avoir accès, tout ça c'est récupéré. Donc on est bon. On va devoir se récupérer tout ça. Et ça bah, je sais pas quand est-ce que je vais, comment je vais pouvoir y retourner. J'espère que je vais pouvoir y retourner. En attendant... Oh oh. Oh mais je suis mauvais. Eh. Mon pompier, voilà. Une petite balle en plus. Il m'a donné un couteau. J'ai cassé un couteau pour récupérer un couteau. Pas mal. On est bon, on peut tracer. Suis-moi, Ashley. Bien. Ok. Oui, mais comment ça, je sais pas. Oh, yes, le point de sauvegarde. Hop, on sauvegarde, on peut reposer ça, voilà, je pense pas en avoir la nécessité d'ici peu. Putain mais la tempête, laisse tomber. Je crois qu'il m'a capté lui hein. Non, oui, non. Bon bah écoute, hein, hop. Oh là là. Oh mon dieu, non. Hop. Encore. Ouais, je suis à court de balles. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien qui ne m'intéresse suffisamment. Voilà. Bon, je récupère des balles de pistolet, c'est cool. Direction. Tout droit. Oh attends, il y a un gamin là-bas. Il est de l'autre côté de la maison. Oh merde. On ouvre ça. On récupère la pipe. Et on se barre. Viens, chez. On va pas traîner plus que ça. Parce que j'ai utilisé déjà trop de balles.
Oh mon dieu. Oh. Señorita a un prénom et c'est Ashley. Et vous êtes? Moi, c'est Luis. Encantado. Super. Les présentations sont faites. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fous ici? Très bonne question, malheureusement. Cache-toi, vite. Dans ce cas, viens, aide-moi. Ashley, dépêche-toi. Par ici. Allez. Elle sera vraiment bien cachée là-dedans. Des planches. On va devoir se taper toute une horde. Comme si ça suffisait pas, y'a que des monstres. T'as fini de t'échauffer? Les étirements, c'est bon? Ouais. Il manque plus que tu l'as fait, mais on est prêt. Fais quoi toi? Recule. Tu en veux pas de ta pelle. Paf. Hop. Bonjour. Ouais, j'arrive. Hop. C'est cadeau. Hop. Voilà. On va vraiment bloquer une entrée. Paf. Oh merde. Paf. Oh mon dieu. C'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Alors j'ai pas beaucoup de poudre, on va pas se mytho. Fabriquer cartouche de fusil à pompe. Aïe. Le feu. Oh non. J'ai pris le coup qu'il fallait pas. Je suis dégoûté. Bah continuez, oui. Quand même. Utiliser les planches pour barricader les fenêtres et empêcher les ennemis d'entrer. Je prends direct tout le monde là. On va passer à la cinématique. On va devoir se taper toute une. Et comme si ça suffisait pas, il y a que des monstres en face. Non, sans blague. Je vais barricader tout de suite, on va voir ce que ça change. Il manque plus que tu l'as fait, mais on est prêt. C'est déjà un bon début, hop. Oh boy. Il y a une plante verte ici, je vais venir la récupérer dans un instant. Juste voir. Il n'y a rien ici, on va redescendre. Mais il vient d'où lui? Il saute du plafond. Bon, oh, j'ai pas rechargé. Trop sympa.
Oula. Ah. Alors j'ai appuyé sur Shift Tab en même temps, ça a pas trop aimé le jeu. Ah, j'ai pas l'air besoin. Hop, bon. Je vais utiliser ça parce que. Bah, je suis dans le mur sinon. Paf! Dans le mille. Hop, hop. Ouh! Mais il y a des trucs partout, ça régale! Oh le bâtard! Putain, c'est vrai qu'il y a de la parade, j'ai oublié! J'ai tendance à oublier qu'on peut parer dans le jeu! Youhou! T'as fait me lancer un truc! Oh! Le poignot, il t'emmerde! Oh! Il m'a mis un coup de torche! Mais c'est bon là, non? Mon dieu. Wow. Wow. Quoi? Il est sorti d'où ce coup? Fabriqué. Je suis une de la merda, hein. Attends, déjà si je prends ça... Ça va le faire. Lancer une grenade. Au devant. Ouais, ta mère. Hop, hop. Ok, c'est bon pour celle-là. Mon dieu. Je vais récupérer le truc que j'avais vu en haut. Là, là, poudre noire, let's go. C'est encore beaucoup, hein. Ah. Essayez de monter. Dégage-moi ça. Lâche-moi, merci. Ouais. Non, salaud. Ah. Tel plan. Bien vu. Wouah! Oh mon dieu. C'est là que j'aurais besoin de la. De merde. Des sprays de sang. Parce que là, nom de duo. Oh, mais ils sont relous. Équipé. Hop. Ouf. Je les accueille avec le sourire, non? Enfin, je sais pas si c'est aussi bien. Non, oh, c'est compliqué comme situation, hein. Oui, quoi en plus? Il court le pada. Arrête-toi. On va équiper de ça. C'est cadeau. Aïe.
Oh bah lui aussi il m'a donné un cadeau derrière. C'est Jean, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes, eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, le parasite, la plaga, il est encore possible de l'extraire par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire, et aussi, le bon matériel. Quoi, toi aussi? Vous en faites pas. Louis a un plan. Mais va falloir me faire confiance. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Pas de temps pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Il parle un peu comme le grand méchant, mais je pense pas. Bon, bah chapitre très sympa, fin très très tendu, clairement. J'ai utilisé beaucoup d'herbes vertes, j'ai utilisé beaucoup de munitions, j'ai tué beaucoup de trucs aussi, j'ai failli mourir beaucoup de fois aussi. Mais ça reste un chapitre pour le moins très intéressant. On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Et puis voilà. On va retourner à l'écran titre. J'ai déjà sauvegardé. Bon, et ben voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode de Resident Evil 4, le remake. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, bah, ciao YouTube.